Des chansons peuvent-elles avoir un impact sur les esprits et influencer les opinions publiques? Nous pensons que cela a été le cas avec au moins deux chansons, Exodus et Inch'Allah. De 1948 à 1967, c'est la lune de miel dans les relations franco-israéliennes. Et combien d'émotions et d'empathie quand la plus grande des interprètes françaises, Edith Piaf, chante Exodus. Ils sont partis dans un soleil d'hiver. Ils sont partis courir la mer pour effacer la peur, pour écraser la peur que l'émotion est grande aussi quand on écoute Inch'Allah, chanson écrite par Adamo juste avant la guerre des six jours et qui fera J'ai le tour. J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis penché. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui malgré le sable infâme ont fait pousser 6 millions d'arbres. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Israël, déclenchant la guerre des six jours malgré les injonctions de De Gaulle, celui-ci décrète un embargo sur la vente d'armes à destination du Moyen-Orient et décide de refroidir les relations de la France avec Israël. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Quelles seront les relations dans l'avenir? Soyons optimistes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours une place dans notre cœur pour la France et sa culture, comme le chantait si bien Josephine Baker. Mon cœur est ravi.